فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان احسن الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار نعم alors nous allons voir باذن الله تعالى dans ce 37e audio sur l'explication du poème al-mamdumat نعم nous allons voir باذن الله تبارك وتعالى une nouvelle terminologie nommée al-maqloub نعم C'est ce que l'auteur a mentionné dans le vers 22. Mais en réalité, ça commence à la fin du 21e vers et se termine au 22e vers. Non. L'auteur al bayquni rahmatullahi ta'ala, alayhi illi, wal-maqlubu qismani tala, ibdalu rawin ma bi rawin qismu, wa qalbu isnadin limatnin qismu. Avant de traduire le sens du verbe, nous allons d'abord voir euh, la définition linguistique du qalb ou du makloub. Ce mot veut dire en langue arabe c'est quoi C'est le fait de, de, transformer une chose, hmm? de transformer une chose, de transformer une chose de de on va dire de son vrai aspect ou euh, de porter une chose n'est-ce pas de son vrai sens ou de son aspect de son aspect réel non. ensuite que veut dire al-makloub chez les gens du hadith alors ils utilisent ils utilisent le mot al-makloub pour désigner quoi hmm? Que veut dire Al-Maqloub dans le jargon du gens des hadiths Alors, sachez que beaucoup des gens des hadiths n'ont pas défini Al-Maqloub. Il y a une définition au sens propre. Hein comme on avait expliqué, qu'une définition doit être quoi Jami'an mani'a. Certains l'ont défini par des exemples, comme l'a fait Ibn Solah et bien d'autres. Et d'autres l'ont défini par ces catégories. Ou même en se limitant à l'une de ces catégories. Ou à certaines de ces catégories. Comme l'a fait Al-Baykouni. Hmm. Il a fait quoi Il a directement dit que le maqloub est de deux catégories. Et il les a mentionnées. Et même Ibn Hajar dans le Nuzha. Il ne l'a pas défini. Il a plutôt donné un exemple du maqloub. Qui est le taqdim et le ta'khir. Mais dans le Nukat. Hein, il a essayé de donner une définition, mais qui n'est pas aussi une définition. Même si son élève à Sahawi a essayé aussi de faire quoi Il a aussi essayé de, de, de compléter ou d'ajuster la définition de son shaykh. Hum? Malgré ça, on ne peut pas la prendre comme une définition de référence ou qui renferme réellement le maqloub dans son sens. Hein, dans son sens et avec ses différentes catégories. Et voilà pourquoi le cheikh Muhiddin hein, il a dit quoi Il a dit dans, dans son taalik sur le livre euh, Tawdih Afkar al Afkar de l'imam Sana'ani, de la page 98 à 99. لا يمكن تعريف أنواع المقلوب كلها في تعريف واحد. لا يمكن تعريف أنواع المقلوب كلها في تعريف واحد. وذلك لأنها أنواع مختلفة الحقائق. والحقائق المختلفة لا يمكن جمعها في حقيقة واحدة. إلى آخر كلامه. Cheikh Mohamed Mohyiddin, il nous fait comprendre ici la raison pour laquelle on ne trouve pas une définition exacte du maclub, ou la raison pour laquelle on ne peut pas définir ce mot hein, comme il se doit. Il dit, il n'est pas possible de définir ou de regrouper toutes les différentes catégories du Maclub en une seule définition. Cela parce qu'elles sont des catégories qui diffèrent dans leur réalité. Et il n'est pas possible de réunir ou de regrouper des réalités différentes en une seule. C'est clair. Le macloub a plusieurs genres, n'est-ce pas, qui diffèrent de l'autre. Chacun a sa réalité, qui n'est pas forcément la réalité de l'autre. Voilà un peu le problème avec le maqloub, Voyez-vous. Raison pour laquelle vous ne trouvez pas ou vous n'allez pas trouver, Wallahu A'lam, une définition qui regroupe et spécifie bien tout cela. Je dis bien, beaucoup ont proposé ou ont donné des définitions, mais quand on regarde bien, hein, la définition n'est pas complète ou elle n'est pas jami'an, mani'an, Wallahu Ta'ala, <coughs> Taib. Revenons euh, au vers de, de, de l'auteur ici al est dit dans ce vers qu'on a lu Il dit Le Makloub est de deux catégories comme suivant Changer un narrateur quelconque par un autre Est une catégorie Et changer la chaîne d'un matin par une autre Est une autre catégorie Toyib Sachez, chers frères et sœurs, que le calme, la modification ou le changement peut avoir lieu, n'est-ce pas, dans la chaîne de transmission, comme il peut aussi avoir lieu dans, dans le matin. On comprend de ça que quoi Que le calbe se divise en deux, ou comme a dit l'auteur, est de deux catégories. Mais en réalité, l'auteur ici s'est limité à une seule catégorie. Qui est le calme dans la chaîne de transmission. Allahouma, sauf s'il a considéré la deuxième catégorie qu'il a mentionnée comme le calme dans quoi hein? Comme le calme dans la chaîne de transmission et dans le matin à la fois. Wallahu a'alam. Donc, je disais, je, disais, euh, je disais que le calme, par rapport à son emplacement, est de deux grandes catégories. Une catégorie relative à la chaîne de transmission. Et une autre relative au matin. Alors, premièrement, nous avons le calbe dans le isnad. Le calbe dans la chaîne de transmission. Et ici, nous avons plusieurs qualités ou plusieurs types de calbe dans, dans le sanad. Alors, le premier type, ou si vous voulez... La première qualité du calme dans la chaîne de transmission, nous avons ce qu'on appelle attaché ou hein. Le fait de faire dévancer et de faire retarder. Hein? Alors, on va dire ici, là, euh, petit a. Donc, euh, faire dévancer le nom du père, du narrateur, au nom du narrateur lui-même. Hmm. faire devancer le père du le, pardon le nom du le nom du père du narrateur au nom du narrateur lui-même. Nah, ce cas-là, est, cas est vraiment fréquent. Nah. Et d'ailleurs, c'est le seul cas qu'Ibn Hajar, rahimahullah a mentionné dans le Nuzha concernant le qalb dans la chaîne. Et il a pris l'exemple de Ka'b Ka ibn Murrah. Ka'b Ka ibn Murrah Ici, là, on voit que Kaab est le fils de Mourra. Vous voyez Alors, un narrateur quelconque, au lieu de dire Kaab ibn Mourra, Kaab le fils de Mourra, il va plutôt dire quoi Mourra ibn Kaab. Mourra le fils de Kaab. Vous voyez qu'il a fait quoi Qu'il a changé le fils par le père et le père par le fils. Vous voyez Il a fait dévancer, n'est-ce pas, l'un sur l'autre. C'est comme quand on dit Muhammad Ibn Hassan. Hein? Quelqu'un, au, au lieu de dire Muhammad Ibn Hassan, il va plutôt dire quoi? Hassan Ibn Muhammad. Ici, il a fait quoi? Il a renversé, il a changé le père. Hein? Ici, là, le père est devenu quoi? Euh, est devenu le fils. Et le fils est devenu le père. Wadrih. Alors petit B, hein, on va dire le fait de changer le sheir par par l'élève voyez-vous et l'élève à la place de qui du sheir ici normalement on doit d'abord mentionner l'élève ensuite le sheir car c'est l'élève qui rapporte n'est-ce pas du sheir vous. Mais ici là, le narrateur fait quoi il va, il va faire l'inverse Ou il va renverser Exemple, le récit rapporté par Abu Bakr Al-Hanafi D'après Soufiane Al-Thawri D'après Hakim Ibn Sa'd Sa D'après Imran Ibn Zabian D'après Salman Qui a dit quoi من وجد في بطنه رزاً من بول أو غائط فلنصرف غير متكلم. ماي ouais, الحديث. donc ici, Soufiane rapporte de Hakim qui rapporte de Imran ibn Zobian. طيب. Abu Hatim رحمه الله دنع العلا ل son fils. il a dit quoi? il a dit هذا إسناد مقلوب إنما هو سفيان عن عمران الأن عمران ابن ذبيان عن عمران ابن عن عمران ابن عن حكيم بن سعد عن سلمان طوي أبو حاتم يقول إليت chaîne de transmission est مقلوب elle est renversée c'est plutôt sufyan d'après imran ibn dhubyan d'après hakim ibn sa'd d'après Salman, voyez-vous? Est-ce que vous voyez? Est-ce que vous voyez? Ou est-ce que vous avez compris ça? La bonne chaîne c'est quoi? C'est Soufiane qui rapporte de qui rapporte de Imran et Imran rapporte de qui de Hakim. Donc Imran l'élève de Hakim. Hein? Ici là c'est Imran qui est quoi? Qui l'élève de Hakim? Or dans la première chaîne, dans la première chaîne qui est ma club, on voit que Soufiane rapporte de qui De Hakim. Et Hakim rapporte de Imran. Ici on voit, on voit quoi On voit l'inverse. Imran qui était l'élève de Hakim devient le cheikh de Hakim dans la version renversée. C'est clair C'est clair. On passe à la deuxième qualité du de qalb dans la chaîne, hein, toujours dans la chaîne de transmission. C'est le fait de changer un narrateur par un autre narrateur de la même tabaka. Vous voyez Le fait de faire quoi De changer un narrateur par un autre de la même tabaka. Voyez-vous yani, On a par exemple un, 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 un hadith ou un récit hein, dont il est connu que c'est Salim, Salim qui le rapporte. Voyez-vous. Mais un narrateur vient le rapporter euh, de Naafir, par exemple, au lieu de Salim. Voyez-vous. Le hadith est connu que c'est Salim qui le rapporte, mais quelqu'un vient, il met Naafir à la place de Salim. Alors, un exemple plus clair. On a le hadith.

Certains fait quoi Ils ont enlevé Ibn Dinar et ont mis qui à la place Ils ont mis Naafir à la place de Ibn Dinar. Donc Naafir d'après Ibn Omar, Ibn Omar marfu'a. Alors que cela, c'est une erreur, c'est une erreur claire par consensus des imams. Non, par consensus des imams. Donc cette version qu'on rapporte de Naafir est appelé comment maklouba c'est une version c'est une version qui est quoi renversée c'est clair la troisième catégorie ou la qualité pardon euh, ou le troisième type si vous voulez c'est le fait qu'un narrateur vienne rapporter un hadith d'après un sheikh qui est le pivot qui est le madar du hadith mais sauf qu'il va rapporter à partir du cheikh là, hein, jusqu'à la fin, avec une chaîne qui n'est pas mafou, une chaîne qui n'est pas retenue. Voyez-vous, une chaîne qui n'est pas la bonne chaîne avec laquelle hein, les gens rapportent ce hadith là. Et ce hadith de, de, de ce cheikh précis, le madar du hadith là. Je ne sais pas si c'est clair. Yanni, ici là, le madar est le même. Hello? Le hadith tourne autour d'une même personne. Voyez-vous. Alors, l'exemple le plus connu ou le plus célèbre dans ce cas-là, c'est le célèbre hadith in al-Amal ou Et on a aussi parlé de ce hadith. Et j'espère que vous vous rappeliez. Nah. On a vu quoi On a vu que c'est un hadith horrible. C'est un hadith gharib, un hadith étrange. Oui. Il n'a qu'une seule chaîne de transmission authentique qui, n'est-ce hein, pas, euh, de Omar ibn al-Khattab radiallahu ta'ala anhu. Donc, je disais, le hadith n'a qu'une seule chaîne de transmission hein, de Omar jusqu'à qui Yahya ibn Sa'id al-Ansari. Donc Yahya ibn Sa'id d'après Muhammad ibn Ibrahim al-Taymi, d'après al, -taymi, d après al ibn ibn Waqqas, d'après Umar ibn al-Khattab Radiallahu ta'ala anhu. Et on a dit quoi Qu'il y a plusieurs personnes qui l'ont rapporté de Yahya ibn Sa'id. A partir de lui le hadith devient quoi Mutawatir. Ça et parmi ceux qui l'ont rapporté de Yahya, nous avons l'imam Malik. Et de l'imam Malik aussi, plusieurs personnes l'ont rapporté par la même voie jusqu'à Omar ibn Khattab. Maintenant, parmi ceux qui, n'est-ce pas, l'ont rapporté de, de l'imam Malik, nous avons un narrateur nommé Abdul majid ibn Abdel-Aziz ibn Abi Rawad. Celui-là, qu'est-ce qu'il a fait il a rapporté le hadith d'après Malik, d'après Zayd ibn Aslam, d'après Ata ibn Yassar, d'après Abu Sa'id al-Khudri. Voyez-vous, ici, Abdul Majid rapporte effectivement le récit de qui De Malik. Comme tous les autres, n'est-ce pas Mais sauf qu'il s'est trompé dans sa chaîne. Au niveau de qui au niveau de ceux qui sont au-dessus de Malik. Car Malik rapporte avec la voix authentique. Hein, la seule voix authentique de ce hadith. Qui est de Yahya d'après al D'après Al-Qama. D'après Omar. Or, Abdul Majid. Il s'est trompé ici. Il a, dit, il a dit quoi Il a dit Malik d'après Zaid. D'après Ata. D'après Abu al Khudri. Il s'est donc trompé. Dans la chaîne, au niveau de ceux qui sont au-dessus de l'imam Malik. Voyez-vous. Ou de ceux d'après qui Malik rapporte le hadith. Voilà pourquoi les imams ont dit quoi Que la chaîne de Abdul Majid, n'est-ce pas hein? La chaîne qu'Abdul Majid a rapporté de Malik n'est pas juste. Abu Hatim a même dit quoi Il a dit -la Qu'elle est nulle et qu'elle n'a pas d'origine. Et il a dit, il a dit, celle qui est retenue et celle qui est connue des malik, c'est bien de Yahya jusqu'à Omar Al Khattab, voyez-vous. Donc le rapportage de Abdul Majid là, est un genre de, de quoi De calme dans la chaîne de transmission. J'espère que c'est clair. Alors, on a vu le calme le à un endroit précis de la chaîne. Ou au niveau du nom d'un narrateur Hein? Et au niveau de deux narrateurs, n'est-ce pas? Et au niveau d'une grande partie de la chaîne de transmission. Donc, tout ça là où on peut appeler tout ça par al al Juz'i. voyez? Le Kalb au niveau d'une partie de la chaîne. Voyez-vous? Oui. Alors, la quatrième qualité du Kalb dans la chaîne de transmission qu'on peut appeler par al al-kulli Kulli le ou le changement total de la chaîne de transmission. Oui. Alors, ceci consiste au fait de changer complètement une chaîne de transmission par une autre. Hein, de telle sorte qu'on ne trouve même pas un seul narrateur commun dans les deux chaînes. Yahani dans ce matin là hein, Ce matin là il est connu avec une chaîne de transmission précise et bien, et bien connue. Voilà un narrateur qui vient rapporter le même matin, mais cette fois-ci avec une autre chaîne totalement différente, n'est-ce pas, de la chaîne connue du début jusqu'à la fin. Je ne sais pas si c'est clair. Attention, le, le cas précédent... Hein, le cas précédent, on a vu que Malik figurait, n'est-ce pas, dans la chaîne connue et dans la chaîne de Abdul majid Mais ici, ce n'est pas le cas. Les narrateurs de la chaîne connue ne figurent pas dans la chaîne qui est quoi, qui est Maclob. Même pas un seul narrateur. C'est clair. <coughs> Alors, les savants donnent comme exemple le hadith rapporté par Yahya ibn Abi Kathir, d'après Abdullah ibn Abi Qatada, d'après son père Abu Qatada, d'après le prophète, hein, qui a dit quoi Si on fait l'Ikama pour la prière, hein, ne vous levez pas tant que vous ne me voyez pas. Donc, c'est ainsi que les compagnons de Yahya le rapportent de Yahya. Rapport Yahya Voyez-vous. Et ce hadith est connu avec cette chaîne de transmission-là. Nous avons un narrateur qui se nomme qui Jarir ibn Hazim. Qui a rapporté le même hadith, mais avec une autre chaîne de transmission. Sa chaîne est la suivante. Jarir d'après Thabit al-Bunani d'après Anas hein? d'après le prophète sallallahu alayhi wa sallam ici on remarque quoi on remarque que les deux chaînes ne se ressemblent même pas il n'y a aucun rapporteur commun ici voyez-vous Jarir il s'est donc trompé en faisant quoi en changeant complètement la chaîne la chaîne de ses récits Voyez-vous, les savants ont parlé de ça. Hein? Ils ont parlé, ils ont expliqué, ils ont expliqué, n'est-ce pas, qu'est-ce qui s'est passé. Alors, ici, là, qu'est-ce qui s'est réellement passé hum? <coughs> Qu'est-ce qui s'est passé ici <coughs> Excusez-moi. Alors, Hamad ibn Ta'ala nous a clairement expliqué d'où provient, n'est-ce pas, ou d'où provenait l'erreur de Jarir. Ou qu'est-ce qu'il a trompé Les mêmes dans Al-Ilal al-Kabir, hein, a dit quoi qu'il a posé la question à son cheikh l'imam al-Bukhari, à propos de ce hadith là, et que l'imam al-Bukhari lui a dit quoi que ceci est une erreur et que Jarir a commis une erreur dans ce hadith. voyez-vous. ils ont mentionné que Jarir

Et il mentionna le matin en question. C'est clair. Alors, qu'est-ce qui s'est passé Comme ils étaient tous dans la cise des Théabites, et c'est là-bas que Al-Hajjaj al-Sawaf a mentionné le hadith là. Et donc, Jarir s'est embrouillé. Hein? Jarir s'est embrouillé. Il s'est embrouillé lorsqu'il a rapporté le hadith. Il a pensé quoi Que c'était Saabit qu'il avait mentionné. Voyez-vous, comme ils étaient tous dans la l'assise de Théabit, donc Jarir a pensé que c'est Théabit qu'il avait mentionné. Et comme il est connu que Théabit al-Bunani rapporte de, euh, de, de, de Anas, alors voilà pourquoi il a pensé que c'était un récit venant de Théabit d'après Anas. Voyez-vous, voyez-vous comment Jarir ibn Hazim s'est trompé hein? et Hamad ibn Zayd qui était avec Jarir dans cette assise-là, il a dit cela. Voyez-vous? Lorsqu'a rapporté Abu Daoud dans al Marasil. Bref, en conclusion, ici, la version de, 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 de Jarir, elle est quoi? Elle est maqlouba. Et la bonne version, c'est celle de Al-Hajjaj, d'après Yahya jusqu'à Abu Qatada, d'après le prophète. Voyez-vous? Et. Cette qualité du calble-là, c'est celle-là que les savants appellent quoi, ou disent fi hadith. fi hadith. Ou Dachala ali fi isnad. Yani, Il s'est embrouillé il a fait rentrer euh, un autre hadith dans un autre, ou à la place d'un autre, ou il a fait rentrer une chaîne à la place d'une autre. Non. Donc, voici le calme ou le changement dans la chaîne de transmission. Ah. Certains mentionnent encore d'autres qualités du calme dans la chaîne de transmission, mais on se contente de ce qu'on qu a, on a mentionné ici. Et voilà, ce sont les cas les plus fréquents. Et d'autres qualités qui ont été mentionnées, hein, il y en a qui sont quand même à revoir. Ah, Est-ce vraiment du calme ou... Sont-ils vraiment considérés comme le kalb ou non? C'est clair. Et il faut savoir aussi que le kalb, le calbe dans le isnad est, est plus fréquent que le calbe dans que le kalb dans le matin. Non. Donc le cas le plus fréquent, le, le plus pardon, le plus fréquent dans le dans le kalb, c'est ce ce qu'on trouve dans ce qu'on retrouve dans le isnad ensuite nous passons à la deuxième catégorie qui est le kalb dans le matin dans le texte lui-même voyez-vous et nous avons, aussi, nous avons aussi plusieurs types de kalb dans le matin premièrement on a, on a aussi le takdim le takhir dans certains mots ou certaines phrases du matin c'est-à-dire certains narrateurs dans leur rapportage vont faire quoi ils vont faire devancer. Hein, faire dénoncer un mot ou une phrase du matin sur un autre. Voyez-vous? Un mot qui vient qui vient normalement à la fin, ils vont le mettre au devant, ou au début. Exemple, le hadith qui est connu, le hadith de cette personne, cette personne qu'Allah placera sous son ombre le jour où il n'y aura d'autre ombre que la sienne. C'est un hadith authentique et connu. Rapporté par les deux cheikhs même. Mais avec une différence vers la fin du hadith. Et c'est ça qui nous emmène même à mentionner ce hadith-là ici. Alors, dans la version de l'imam musulman, il est dit vers, vers la fin du hadith, <t 'un> Oui, dans la version de l'imam musulman, dans son sourire, il est dit quoi Il est dit ici, hein? et un homme qui a fait une aumône, Et l'a caché au point où sa droite ignore ce que sa gauche a dépensé. Yahni a donné une aumône. Au point, où, hein? au point où sa droite ignore ce que sa gauche a dépensé. Ici, on remarque quoi On remarque que dans cette version-là, hein? que la gauche, c'est la gauche qui a fait l'aumône. Et la droite a ignoré cela. Donc ici la droite est venue en premier, n'est-ce pas, avant la gauche dans cette dans cette version là. Attends. Maintenant regardons la version de de, de, de la Jamaa, celle rapportée par les Malik, Ahmad al bukhari de et bien d'autres. Hein? Ils ont dit quoi Ils ont dit wa il a dit ici, dans la version d'Al-Jama'a, hein, et un homme qui a fait une aumône, il a caché au point où sa gauche ignore ce que sa droite a donné, ce que sa droite a donné en aumône. Voyez-vous la différence? Hein? Dans, la version, dans la version de, 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 de la Jama, c'est la gauche qui vient avant. Car c'est la droite qui a donné l'aumône et la gauche a ignoré cela. voyez-vous. Alors les Oulama ont dit quoi Ils ont jugé la version de l'Imam musulman hein, comme maqloub. Et ça, c'est clair. Car même rien que le sens nous montre, nous montre cela. Nahm. Et on peut aussi avoir le calme dans le matin. Hein? Un narrateur, n'est-ce pas, emmène un mot qui est complètement opposé au mot qui est dans la version connue. Ou ça peut être un mot qui vient restreindre ou généraliser ce qui est dans la version connue. Et on peut aussi avoir le calme total. Hein? Le changement total dans le matin. Comme on a vu aussi dans l'ISNAD. dans il y Quelqu a quelqu'un va venir fabriquer par exemple euh, euh, ou inventer un hadith et il l'habille avec une chaîne de transmission euh, avec une chaîne de transmission comme Malik d'après Nafi' d'après Ibn Omar voyez-vous ça c'est une chaîne ça c'est une chaîne de transmission considérée parmi les chaînes les plus authentiques voyez-vous et ce genre de travail là, ça c'est le travail de de de, de Ceux là qui fabriquent qui fabriquent et qui invente qui invente les hadiths. <coughs> okay. euh, quelles, sont, quelles sont les causes du calme Quelles sont les causes du et leur jugement <coughs> Alors, sachez qu'il y a plusieurs causes conduisant le narrateur ou le narrateur à faire le kalb. Et le jugement du kalb diffère selon la cause qui a conduit le narrateur, n'est-ce pas, à le faire. Bien que tout hadith maqloub soit rejeté. Le maqloub, naam, fait partie de quoi Fait partie des catégories des hadiths qui sont faibles. Et cela peut provenir, peut provenir d'un narrateur crédible digne de confiance ou d'un narrateur faible et de même un narrateur délaissé, délaissé. Donc le makloub peut aussi être quoi, chaste ou Vous voyez. Car ici il y a quoi, il y a l'isolement, il y a l'isolement et la moukha à la fin. Et tout ça là, tout ça rentre dans quoi, le ilal des hadiths. C'est clair. Parmi les causes du calme, il y a al ou al Il y a quoi L'erreur Le rapporteur peut se tromper. Il n'a pas fait sciemment. Hein? Il n'a pas fait exprès de faire quoi De renverser ou de changer dans le Sanad ou dans le matin. Et ça là, même beaucoup parmi les Houfad de Hadith n'ont pas, pas été épargnés. C'est une erreur. Ça peut arriver à n'importe qui. Comme on a vu avec Jarir ibn Hazim, il n'est pas faible. Mais pourtant, il sait quoi Il sait, il s'est trompé. Voyez-vous. Mais ce n'est pas aussi parce, qu parce que le narrateur fait partie des narrateurs acceptés qu'on accepte son, son hadith maqloub, Là. Non. L'erreur est une erreur ou l'erreur reste erreur, peu importe de qui, n'est-ce pas, elle provient. Même si c'est un <t 'en> un, a fait, un <t 'en> moudqin, Amirul Mu'minin, fil Hadith, hein. Même si c'est qui, peu importe son rang, l'erreur qu'il a fait, hein, reste une erreur. On n'accepte pas son erreur, voyez-vous. Même si c'est, même si amirul dans le Hadith et qu'il a fait une erreur, alors on n'accepte pas le Hadith dans lequel il s'est trompé. Mais ces autres, ces autres ahadiths qui n'ont pas de problèmes sont acceptés. Et sans doute. Voyez-vous. Et on ne peut pas le dénigrer ou le rendre faible pour une ou deux erreurs. Là. Voyez-vous. Le problème maintenant, c'est si, si c'est fréquent dans ces ahadiths. Yanni, il est connu pour faire le qalb. Hein, pour faire des erreurs dans, 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 dans les hadiths N'est-ce pas? ou pour faire les erreurs euh, de manière générale, que ce soit le calme ou autre, voyez-vous, si cela se répète trop dans ses rapportages, alors cela montre clairement qu'il a des problèmes de mémorisation, et cela conduit, n'est-ce pas, au rejet de tous ces récits. Sauf s'il fait partie des narrateurs dont on accepte leur récit n'est-ce pas, s'ils rapportent à partir du livre, de leur livre, mais s'ils rapportent hein, en se basant sur leur mémorisation, Voyez-vous, donc là, on va faire le tafsil. On va accepter son rapportage à partir du livre, voyez-vous, et rejeter le hadith ou le rapportage basé sur la mémorisation. Et il y a encore d'autres non. Euh, parmi les causes, c'est que le narrateur peut aussi le faire. Il peut faire le qalb sciemment, expressément. Et ici, nous avons deux cas. Le premier cas, c'est que le narrateur fait le calme sciemment dans le but de faire quoi De tester le niveau, n'est-ce pas, de mémorisation d'un autre narrateur pour voir s'il est vraiment d'orbite, hein? s'il va reconnaître ses hadiths ou pas. Et on rapporte que Shou'bah aimait bien faire cela au Muhaddithoun pour les tester. N'est-ce pas S'ils ont la maîtrise de leur récit ou pas. Et on a plusieurs exemples dans ce cas-là. Est-ce que est plus connu, il y a ce qu'on rapporte de l'imam Al-Bukhari. Lorsqu'il est, est parti à Bagdad, hein? ils ont voulu le tester. Ils lui ont cité 100 hadith makloub. Ils ont mélangé les chaînes de transmission. Hein ils ont mélangé les moutons et autres. Et à la fin, qu'est-ce qui s'est passé Il a repris chaque hadith l'un après l'autre par ordre. Et il les a tous remis dans leurs chaînes et leurs matins respectifs. Propre l'histoire est connue et longue Et c'est Ibn Adi Rachmaul Ta'ala a rapporté d'après, euh, d'après quoi D'après plusieurs chouyours. Vous voyez Ibn Adi l'a rapporté d'après, d'après plusieurs chouyours. Alors, Déjà ici, on voit qu'il y a des majahil des inconnus dans la chaîne de transmission. Voyez-vous. Qui sont les chouyours en question hein? Qui sont les chouyours en question de qui a rapporté Ibn Adi Même si à Sahara, oui, ils voient que leur grand nombre là nous suffit et que ça nous dispense, et que ça nous dispense de leur Jahala. Mais ça c'est pas vrai. Là, même s'ils sont mille et qu'ils sont inconnus, ils restent inconnus. On ne les connaît pas. Hein? Ni leur situation. Voyez-vous. Et d'autres disent, disent quoi Qu'on accepte le récit parce que Ibn Adi, n'est-ce pas, a étudié avec plusieurs élèves de l'imam Al-Bukhari. Et il n'y a qu'une tobaqa entre, euh, entre Al-Bukhari et Ibn Adi. Et que certains élèves de l'imam al-Bukhari sont les chouyoukhs de Ibn Adi. Bon, nous disons que ça aussi ne suffit pas. Non. Car ce n'est pas parce que l'imam al-Bukhari est théka que tous ses élèves sont aussi des Voyez-vous Il y a donc parmi eux, parmi ces élèves des thiqat, hein il y a aussi ceux qui sont sodouks, il y a ceux qui sont daïfs, et ainsi de suite. Alors si tel est le cas, de qui l'a pris Ibn Adi Des crédibles ou des faibles? Hein? De qui l'a-t-il pris Point d'interrogation. Bref, il y a beaucoup de, de raison pour laquelle moi je préfère m'abstenir, Naam. Je préfère m'abstenir de relater cette histoire-là. Parce que l'histoire-là n'a qu'une seule chaîne de transmission, celle de Ibn Adi. Et elle a ce problème de, de majahil Comme vous l'avez entendu C'est clair Nous avons plusieurs autres euh, histoires N'est-ce pas Dans ce dans ce cas qui montre que les narrateurs Faisaient quoi Faisaient parfois le calme des récits Dans le but de tester le dopte des, des narrateurs Ou des mohadithoun Voyez-vous Et les roulements divergé sur le jugement de faire cela Est-il permis ou non Bon, ce qui est juste, Ta'ala, hein, c'est que cela est permis dans ce cas précis là. Pour tester, pour tester le dote du mohadith. Voyez-vous. Mais comme on dit les ulama, à condition qu'il corrige l'erreur et remettent les hassanides et les moutounes à leur place avant de quitter l'assise. Voyez-vous. De peur que quelqu'un ne prenne ce hadith de manière renversée et le rapporte comme ça. Ou en pensant que le hadith est bel et bienvenu. De cette manière-là. Donc on doit corriger et remettre tout en place avant de quitter l'assise avant la fin de, de l'examen en question. C'est clair. Okay. Euh, le deuxième cas, c'est le cas de certains narrateurs, tels que le Waddarun, ceux qui inventent et forgent les hadiths. Cela, ils le font sciemment. Dans le but de rapporter une chose hein, que les autres n'ont pas. Ou pour vouloir montrer qu'ils ont plusieurs hadiths. Hein? Ou pour tromper les pour tromper les gens, ou pour autre but. Alors ceci est du mensonge et de la tromperie. Et les ulama sont unanimes, que ceci est interdit, c'est haram. Et que celui qui le fait est un wagdar. Ces hadiths sont complètement rejetés. Et les roulements appellent aussi ce genre de narrateur quoi, Sariq al -hadith", le voleur de hadith. <coughs> Et ce genre ce genre de rapportage est appelé, quoi, al -hadith", le vol de hadith. Voilà pourquoi voilà pourquoi beaucoup de muhadisoun hein, détestent les hadith horribles, les hadith étranges, car beaucoup de récits inventés hein, ou beaucoup de, 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 de des étranges sont des récits quoi, inventés ou munkara. نعم. الوغ وفي نيرسير بك الذهبي رحمة الله تعالى عليه ناء الموقظة على page 160 انبانا بمقلوب فمن فعل ذلك خطأ فقريب ومن تعمد ذلك وركب متنا على إسناد ليس له فهو سارق الحديث. وهو الذي يقال في حقه فلان يسرق حديثا ما سمعه فيدعي سماعه من رجل وان سرق فاتى باسناد ضعيف لمتن لم يثبت سنده فهو اخف جرما ممن سرق حديثا فهو اخف جرما ممن سرق حديثا لم يصح متنه وركب له اسنادا صحيحا فان هذا نوع من الوضع Il Zahabi, dit Celui qui fait le qalb par erreur est parib et proche. Bon, je ne sais pas, là il veut dire ici là que celui qui le fait par erreur, son cas est souple, il est proche des gens dont on accepte le hadith, voyez-vous. Comment l'expliquer Ensuite il dit quoi Mais celui qui le fait sciemment en assemblant, en assemblant un matin à un isnad qui n'est pas le sien Celui-ci est alors un voleur de hadith Et c'est celui dont on appelle ou dont on dit à son sujet Un tel a volé un hadith qu'il n'a pas entendu mais prétend l'avoir entendu hein? Mais prétend l'avoir entendu d'une personne il dit, et s'il vole en assemblant une chaîne de transmission faible à un récit dont la chaîne n'est pas aussi authentique, vous voyez, il dit, ceci est moins répréhensible que celui qui vole un hadith qui n'est pas authentique et lui constitue une chaîne de transmission authentique. Car ceci est une forme d'invention et de mensonges. C'est clair on va se contenter de ce qui a été dit ici par rapport au maqloub et j'espère que ça a été clair. Allah nous facilite la bonne compréhension. Donc, on a fini avec le maqloub le le Donc, le cours prochain, Et ta'ala. On pass, oh, on pass, oh, هذا والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم